En 1739, un libraire d'Utrecht, Matthijs Wisch, publiait un important in-quarto de plus de 1000 pages intitulé « Commentarius de Angelis », « Commentaire sur les anges ». Cet ouvrage était dû à la plume d'un docteur en philosophie et théologie, professeur ordinaire d'astronomie et de physique expérimentale à la faculté de la ville, qui s'appelle Jacob Audet. Et cet ouvrage a constitué en terre protestante, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et en quelques cas le début du suivant, une référence inexpugnable de presque toute étude sur les anges. Et dans cet ouvrage, la neuvième et avant-dernière section porte « De cultu angelorum », du culte des anges. Et dans un ouvrage qui, évidemment, comme tout souvent à cette époque, est à la fois un ouvrage de science et un ouvrage de polémique, l'auteur s'applique à retracer l'histoire et les développements de ce qu'il appelle une superstition papiste. Cette pénultimième partie faisait écho à la Theologia Gentilis et Physiologia Christiana de Gerard Jan Voss, le grand Vossius, que beaucoup parmi vous connaissent, qui avait tenté de dévoiler, au début du XVIIe siècle, l'origine et les progrès de l'idolâtrie. En effet, avant d'examiner ce qu'il en fut du culte des anges dans le christianisme, des prohibitions scripturaires et patristiques aux pratiques des hérétiques et des papistes, Audet envisageait l'histoire de ce culte chez les païens et chez les juifs. Il y a 12 ans, j'avais été convié à une table ronde à l'université de Nanterre dédiée aux anges et à la magie au Moyen-Âge. Et j'avais tenté de traiter de l'accusation portée contre les juifs par des sources païennes, par exemple le philosophe platonicien Cels, comme chrétienne, de la prédication de Pierre au IIe siècle à Jérôme à l'extrême fin du IVe siècle, de accusations portées contre les juifs, de rendre un culte aux anges. J'avais noté en conclusion que, d'une part, les sources non-juives des premiers siècles de l'ère chrétienne ne capturent qu'une mince frange des expressions multiples de l'efflorescence angélique et angélologique dont témoignent les sources juives contemporaines, essentiellement orientales. Et d'autre part, à la suite d'un auteur, à mon avis, injustement oublié, Arthur Luckin Williams, qui, il y a un peu plus d'un siècle, avait donné un article important dans le Journal of Theological Studies, article intitulé « The Cult of the Angels at Colossae », à la suite de Williams, il me semblait devoir être souligné la rareté des témoignages extérieurs prétend aux juifs un culte des anges. Le développement des travaux consacrés à l'antijudaïsme chrétien au fil des siècles, dans les terres d'expression latine et grecque, permet d'ajouter que cette accusation semble très circonscrite dans le temps. Jérôme, dans son commentaire sur Matthieu, en 398, paraît en être le dernier témoin. Quand bien même la dénonciation des pratiques magiques, et il faut mettre évidemment des guillemets à cette expression, des pratiques magiques attribuées aux juifs ne cessent d'être reprises et modulées sous des formes anciennes et nouvelles au cours de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, quand bien même les caractères de la langue hébraïque continuent à être souvent perçus comme des signes magiques, quand bien même enfin les représentations angéliques connaissent un développement sans égal, par exemple dans la littérature des Héralotes et d'autres textes magico-religieux, je n'ai pu trouver pour ma part nulle trace supplémentaire de l'antique accusation après ce texte de Jérôme. Les Juifs sont vilipendés dans les textes chrétiens pour adjurer les démons, non les anges. Ni Jean Chrysostome, qui attaque avec vigueur la magie juive, comme vous le savez, ni Augustin, qui dénonce tout culte des anges portant atteinte à l'unique médiation du Christ, aucun de ces deux auteurs n'allègue l'angélolâtrie juive selon, disons, la catégorie que les modernes ont forgée. Si le refus de l'ange de la Coralypse de se laisser adorer, je renvoie au verset Apocalypse 19:10 et 22:8-9, si ce refus est sans cesse rappelé,
Jamais, du moins en l'état de mes recherches, les Juifs ne sont mis en cause, ni d'éventuelles séductions judaïsantes contemporaines incriminées. Le discours vise toujours les chrétiens. La raison la plus obvie est à chercher, me semble-t-il, dans l'essor du culte des anges, pour prendre une formulation commode, dans l'Orbis Christianus antique et médiéval à partir des 4e, 5e siècles. En témoigne emblématiquement, et vous trouverez ce texte dans l'exemplier si vous voulez le consulter après mon exposé, en témoigne emblématiquement Grégoire de Tours, qui dans le dernier tiers du 6e siècle ouvre son In Gloria Confessorum sur un De Virtutibus Angelorum, des puissances des anges. Grégoire de Tours évoque une anecdote dont il a été le témoin dans la région de Clermont-Ferrand. Des travailleurs, des moissonneurs préparent une boisson à base de céréales que, dit Grégoire de Tours sur le fondement d'eau rose, ils appellent Célia. Cette boisson vient à manquer et les moissonneurs invoquent sur le peu qu'ils possèdent des nomina angelorum qui, précise Grégoire, se trouvent dans les Écritures. Et miracle, évidemment, la boisson est multipliée et les moissonneurs peuvent être ainsi désaltérés. Je trouve ce texte tout à fait emblématique. L'invocation des anges est désormais une pratique chrétienne légitime. C'est sur ces fondements et dans la continuité de cette recherche que s'inscrivent les propos que je voudrais tenir devant vous ce jour. Je voudrais examiner, sans aucunement viser à l'exhaustivité, le temps s'y oppose, ainsi que l'abondance des références éparses dans la documentation tardo-antique, aussi bien que la riche moisson d'études consacrée à tel ou tel aspect ou figure du culte des anges en contexte chrétien, je voudrais, après avoir rappelé pour l'intelligibilité de mon propos quelques traits de l'invocation des anges en régime chrétien, qui me semble devoir être souligné dans la perspective qui est la mienne aujourd'hui, traiter de deux questions. D'une part, celle des relations entre culte des anges, comme on l'appelle par exemple depuis O.D. en contexte chrétien, et culte ou pratiques païennes ou juives. Et d'autre part, esquisser quelques considérations sur l'invocation des anges en contexte chrétien et les collectivités de divers ordres, les cités par exemple dans l'Antiquité tardive. Quelques rappels, si je puis, en commençant. En ouverture de son traité des principes, composé à Alexandrie avant son départ en 231, Origène, faisant le bilan, je cite, de tout ce qui est transmis clairement par la prédication apostolique, et après avoir traité successivement et avec quelque ampleur de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Esprit-Saint, de l'âme, du diable et de ses anges, de la création du monde, de l'inspiration des Écritures, ajoute, je cite, que d'après la prédication ecclésiastique, existent aussi des anges de Dieu et des puissances virtutes, le texte est conservé ici seulement en latin, des virtutes bonnes qui aident à accomplir le salut des hommes. Quand ont-ils été créés? Avec quelle nature? Comment sont-ils? Cela n'est pas assez clairement précisé. Origène, à son habitude, circonscrivait nettement ce qui relevait de la doctrine communément reçue dans la Grande Église et ce qui était soumis à la libre appréciation ou discussion. Que la croyance aux anges, des médiateurs et des messagers innombrables entre Dieu et les hommes, fut largement reçue en contexte chrétien, il n'est nul besoin de le développer. Peut-être convient-il de souligner, à la suite du grand Erik Peterson, ce théologien protestant, converti au catholicisme, formé à la Religionsgeschichtliche Schule, dont on a célébré il y a quelques années le cinquantenaire de la disparition, peut-être peut-on souligner à la suite de Peterson dans son livre des anges que les liturgies et rituels chrétiens affirment l'omniprésence de ces créatures célestes chargées d'apporter à Dieu les offrandes des hommes et d'assurer la communion entre culte terrestre et culte céleste. Il suffit de citer le De Sacramentis au livre 4, traité que l'on attribue traditionnellement à Ambroise, mais cette attribution est contesté par d'éminents spécialistes comme Hervé Savon ou Cesare Alzati. Dans le De Sacramentis, l'auteur cite une anaphore eucharistique,
je le cite en latin, je crois que c'est assez compréhensible sans que j'ai besoin de traduire, « et petimus et precamur uti hanc oblationem suscipias in sublimi altari tuo per manus angelorum tuorum sicut suscipere dignatus est munera pueri tui justi Abel, etc. » Et dans les dialogues attribués avec de meilleures raisons à Grégoire le Grand, au livre 4, on peut lire « Qui donc ?» Parmi les fidèles, pourrait douter qu'à l'heure précise de l'immolation, donc du sacrifice eucharistique, les cieux s'ouvrent à la voix du prêtre, qu'à ce mystère de Jésus-Christ, les cœurs des anges sont présents, le Très-Haut s'unit au Très-Bas, le Terrestre et le Céleste se rejoignent, le visible et l'invisible se fondent en un. Une inscription assez célèbre, alors, vous verrez le texte dans l'exemplier, c'est dans le Dittenberger, le numéro 610. Une inscription assez célèbre, gravée sur un linteau et datée précisément de 515, que John Lewis Burckhardt avait trouvé il y a 2 siècles à l'ouest du Haut-Rhin, dans le Léja, au martyriode de Saint-Georges, à Zorava, commémore la construction d'une église par le curial Jean, fils de Diomède, à l'emplacement d'un temple païen dédié probablement à une divinité sélitique importante, Théandrites. Et le texte dit ceci, je traduis, « La demeure des démons, to ton daimonion katagogion, est devenue maison de Dieu, où les ténèbres jetèrent leur voile, maintenant la lumière du salut resplendit, où se tenaient les sacrifices aux idoles, les tusiai eidolon, maintenant se tiennent les cœurs des anges, les koroi angelon, où s'exerçait la colère de Dieu, maintenant s'exerce la faveur de Dieu. » Dieu est donc inséparable de ses anges. Dieu et ses anges est une formule récurrente dans nombre de textes chrétiens de l'Antiquité tardive. Le tribun et notaire Marcellin, que nous avons eu l'occasion d'évoquer vendredi dernier, ouvrant la conférence de Carthage en juin 411, déclare, je cite, « qu'assurément l'affaire sera débattue sous le regard de Dieu et avec les anges pour témoins. Certum est anque causam spectante Deo et angelis testibus agitandam. » Augustin, et plus encore Grégoire le Grand, présente souvent les anges comme des chives, des citoyens de l'Église céleste. Par exemple, dans le sermon 341, Augustin dit que nous avons dans l'Église céleste les anges comme concitoyens. Ou Grégoire le Grand, dans ses homélies sur Ézéchiel, parle de ces super ni chives in patria sua persistentes. Origène, toujours dans le traité des principes, cette fois-ci au premier livre, au chapitre 8, à propos de la première épître aux Corinthiens, le verset 15-28, qui traite de la soumission au Christ de toutes choses, écrit qu'à son avis, je cite, « Il ne faut pas juger fortuit qu'à tel ange ait été attribué tel office, par exemple à Raphaël la charge de soigner et de guérir, à Gabriel la surveillance des guerres, à Michel le soin des prières et des supplications des mortels. » Dans cette observation, l'opinion personnelle d'Origène concerne le caractère fortuit ou non de l'attribution à des anges différents de fonctions spécifiques et non l'existence d'anges identifiés par des noms propres et affectés à des missions singulières. On sait, je te rappelle, que le livre de Daniel, dont la rédaction finale est située au milieu du IIe siècle avant notre ère, est le premier des écrits vétérotestamentaires, du moins dans l'ordre chronologique, si on les considère sous cet aspect, sous cet angle, où des anges sont pourvus d'un nom. Gabriel, l'ange de la révélation, Daniel 8:16 et 9:21, Michel, l'ange préposé à Israël, Daniel 10 au verset 13:21. De nombreuses études ont examiné, et la documentation ne cesse de croître, les attestations d'un culte rendu à l'archange Michel depuis le milieu du IVe siècle. J'avais cité dans la bibliographie le livre classique de Wilhelm Lücken, qui date de plus d'un siècle et qui reste une référence importante. Il n'est pas nécessaire de reprendre pour l'instant ces données. Il suffit de noter que les références à Michel et beaucoup plus secondairement à Gabriel, en particulier la mention de lieux de culte, se multiplient dans les sources épigraphiques, papyrologiques et littéraires à partir du milieu du Ve siècle, surtout dans la partie hellénophone du monde méditerranéen. Je citerai 2 types de témoignages qui ont généralement moins retenu l'attention jusqu'ici. Le premier, c'est une novelle de Justinien, un texte de loi, la novelle 8, en date du 15 avril 535, qui donne la formule du serment que prêteront les gouverneurs de province devant l'évêque et les curiales de leur cité de résidence à leur entrée en fonction.
Je cite la version latine qui comprend un exemplaire, donc un modèle, adressé à Dominicus, le préfet du prétoire d'Illyricum. Voilà ce que dit ce texte, là encore le latin est très clair, iuro, ego, donc le gouverneur de province, per deum omnipotente, et filium ium eius, pardon, unigenitum dominum nostrum Iesum Christum, et spiritum sanctum, et sanctam gloriosam dei genitricem et semper virginem Mariam, donc la Vierge, et quatuor evangelia quae in manibus meis teneo, donc le serment se fait avec en main l'évangéliaire, et nouvelle entité par laquelle, devant laquelle on jure, et sanctos archangelos Michael et Gabriel, et il jure puram conscientiam germanumque servitium me servaturum sacratissimis nostris dominis Justiniano et Theodore coniugi eius. Donc une sorte de fidélité dans le service aux empereurs Justinien et Théodora. Alors, cette formule de serment dans laquelle les anges sont donc invoqués, Michel et Gabriel, il n'est pas sans intérêt de citer deux autres extraits de la même formule qui permettent de mieux saisir le contexte d'ensemble de cette mention des anges. Un peu plus loin, il est dit que celui qui prête serment sera communicator sum sancte dei catholice et apostolice ecclesiae, c'est-à-dire qu'il sera en communion, il est en communion avec la sainte Église catholique et apostolique, la Sainte Église de Dieu, et qu'en aucune façon et en aucun temps il ne s'opposera à elle, et qu'il ne permettra pas que quiconque s'oppose à elle, il ne permettra pas autant que cela lui est possible. Et un peu plus loin, il dit, le texte dit que si celui qui prête serment ne conserve pas une telle attitude, il recevra et en cette vie et dans le siècle futur, au jour du terrible jugement du grand Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un châtiment, et qu'il aura part avec Judas, avec la lèpre de Géasi, je vous rappelle le serviteur d'Élisée qui trompe le général Naaman et qui attrape la lèpre, hein, c'est au quatrième livre des rois, selon la division de la Septante, le deuxième dans la division moderne, au chapitre 5, et la terreur de Caïn. Et qu'il obtiendra cela en sus des châtiments qui sont prévus par la loi des empereurs. Donc c'est bien dans ce contexte qu'il faut saisir cette prestation de serment. Avshalom Lagnado, le collègue israélien, a récemment proposé de mettre en relation cette constitution impériale de Justinien avec la formule onomastique de son destinataire principal, qui est aussi son instigateur, le préfet du prétoire d'Orient, Jean le Cappadocien. Dans une inscription de Didyme, en Carie, que Denis Fessel a récemment publiée, et qui comporte un procès-verbal de la préfecture du prétoire d'Orient en date du 2 avril 533, ce Jean le Cappadocien est nommé avec la formule onomastique suivante, Flavios, comme tous les fonctionnaires depuis le IVe siècle, Marianos, nom marial, Michaelios, Gabrielios, Archangelios, Ioannes. Et c'est au VIe siècle qu'on peut constituer un petit dossier de polyonymes avec des noms angéliques qui attestent évidemment une évolution. Ces polyonymes formés sur des noms d'anges sont bien détestés dans la partie hellénophone de l'Empire, mais on voit aussi apparaître des Michael ou des Michaelius en Occident à la même époque. Ces noms de dévotion, comme on peut les appeler, se situent à la confluence entre culte, si je puis dire, officiel et culte privé des archanges. L'anthologie grecque a conservé trois épigrammes du poète et historien Agathias de Myrina, auteur très célèbre, au VIe siècle, qui sont dédiées à l'archange Michel. J'en mentionne simplement deux, qui sont des ex-voto, donc des remerciements. L'une de ces épigrammes est d'un certain Théodoros, maître des offices et proconsul d'Asie à deux reprises, qui offre, dit le texte, une peinture destinée à figurer les bienfaits de l'archange auquel il doit son beautrier, hein, Zoster, de maître des offices. L'autre est un ex-voto de 4 étudiants en droit qui ont achevé leur 4e année de formation et souhaitent obtenir un bel avenir. Aitountes ton epeita kalon chronon. Messager des prières et des hommes, Michel peut être sollicité pour tous les types de demandes. Il existe une assez générale polyvalence des anges.
même si certaines missions, comme celle de psychopompe, en charge de recevoir les âmes des défunts et de les conduire à Dieu, lui sont plus particulièrement reconnues. Si vous lisez Vie latine d'Adam et Ève, qui est récemment publiée dans la série Apocryphorum du Corpus Christianorum, à l'œuvre de Jean-Pierre Pétorelli, vous verrez que les anges sont aussi absolument omniprésents, en particulier Michel, qu'il a des fonctions diverses, mais que c'est pour la sépulture d'Adam en particulier qu'il est sollicité. Je peux donner deux autres exemples. Dans le dossier égyptien du culte de l'archange Michel, que Arietta Papa Constantinou a réuni dans son précieux volume sur le culte des saints en Égypte, figure une épitaphe, aujourd'hui perdue, d'une certaine Zonéenée, qui est datée de 409, et qui déclare ceci. Donc nous sommes assez tôt, 409. « Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, souviens-toi de la déposition et du repos de ta servante, la très pieuse et qui aime les commandements Zonéenée, et juge la digne de prendre demeure par l'intermédiaire du Saint-Archange Michel, porteur de lumière, dans le sein des Saints-Pères Abraham, Isaac et Jacob, car à toi sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. » Et dans le corpus des œuvres de Grégoire de Tours, les trois mentions de Michel que l'on y trouve sont toutes en relation avec son rôle de psychopompe. Le texte d'une amulette en plomb, trouvée sur la côte orientale de la Sicile, à Colle San Basilio, entre Leontini et Scordia, que son découvreur Giacomo Manganaro, qui est un collègue sicilien auquel nous devons beaucoup de textes découvertes et de publications, de premières publications de textes de ce type, Manganaro assigne ce texte au 7e siècle. Ce texte d'une amulette en plomb permet d'élargir ce bref panorama des attributions reconnues aux anges. En voici une traduction, il y a une croix, quelques lettres, et puis ceci, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le charme est pour l'impuissance, akrateian, la mauvaise rencontre, apanthema, et l'ensorcellement, baskosunen. Je vous adjure par le sceau de Salomon, je vous adjure par celui qui porte le trône de Dieu, Michel, confusion un peu étrange, puisque normalement ce sont les chérubins qui portent le trône divin, je vous adjure par les chérubins, je vous adjure par les 12 patriarches et probablement les 18 prophètes qui servent dans les cieux, je vous adjure par la rivière du Jourdain et le baptême qu'elle reçut de Jésus, délivré X de l'ensorcellement, de l'outrage, de la mauvaise rencontre, de la tête aux ongles, que tout mal s'enfuit et soit éloigné du serviteur de Dieu Loulianos. Amen. Ce document vaut ici à titre d'exemple pour tout un ensemble de textes d'adjuration, de conjuration, etc., que la tradition savante appelle magique, je ne montre pas dans le débat sur cette notion, et où figurent des noms d'anges, ici dans un contexte clairement et intégralement chrétien. Dans l'un des sermons d'Augustin, identifié par François d'Olbeau, le sermon 26 au chapitre 47, que Madame Pasquier connaît bien, qui a été donné au calende de janvier 404, Augustin propose de longs développements sur la notion de médiation et orchestre un thème qui lui est cher, celui des honneurs légitimes et des honneurs indus rendus aux anges. Il met en scène la voix d'un païen qui susurre à l'oreille du chrétien « Si vous rendez un culte aux martyrs, martyres colitis, et que vous pensez recevoir par leur entremise une aide auprès de Dieu, combien plus devons-nous rendre un culte aux puissances, aux virtutes de Dieu, par l'entremise desquelles nous recevons une aide auprès de Dieu ?» Et Augustin poursuit. « Si l'on te dit, invoque ainsi l'ange Gabriel, invoca, invoque ainsi Michel, offre-lui ceci. » Le texte latin dit « exhibe hoc illi ». Et mon savant collègue et ami Philippe Bernard propose de voir dans cet « exhibere » un sens technique, hein, « offrir », non pas « montrer ». Montre-lui ceci, montre-le-lui. Ne cède pas à la tromperie, ne consent pas, ne sois pas trompé par le fait que les noms de ces anges se trouvent dans les Saintes Écritures. Nous retrouvons le texte de Grégoire de Tours que je citais en commençant. Considère plutôt ce qu'on en lit, s'ils réclament pour eux quelque chose de la part des hommes, sous la forme d'un culte rendu en propre, aliquid religionis privaté, ou bien si plutôt ils ne veulent pas rendre gloire à l'unique Dieu auquel ils obéissent.
Il est évident que ce texte demanderait un commentaire approfondi, je crois bientôt l'avoir. Et il illustre l'une des ambivalences cardinales de l'invocation des anges en contexte chrétien dans l'Antiquité tardive. Au fil d'une homélie sur le livre des Nombres, là, 14e, Origène assurait, je cite, que le monde lui aussi a besoin d'anges placés au-dessus des bêtes et d'anges préposés aux fonctions terrestres. Il en faut pour présider à la naissance des animaux, à la croissance des jeunes pousses, des vergers, des champs. Une série de textes siciliens, la Sicile en particulier dans sa partie sud-orientale est un terrain merveilleux pour les textes épigraphiques de ce type. Donc une série de textes siciliens écrits en grec, malheureusement souvent mal conservés, de lecture difficile, que toujours notre collègue Manganaro a fait connaître et qu'il assigne au 5e, 7e siècle, pourraient illustrer ses propos. Ils invoquent des entités angéliques pour assurer la protection des récoltes, des olivettes, des vignes ou de leurs fruits. La liste des anges ne se limite pas aux noms attestés dans des textes bibliques ou parabibliques, par exemple la tétrade de Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, mais elle s'étend à d'autres anges, et l'on sait l'inventivité dans la formation des noms d'anges, hein, à Phinaël, Créphiel, Fatoël, etc. Dans un livre posthume et inachevé publié il y a un siècle, en 1904 précisément, qui a été traduit en français 4 ans plus tard, livre intitulé « Die Anfänge des Heiligen Kults in der christlichen Kirche » et que l'on a pu décrire comme, je cite, c'était ce que disait à l'époque le recenseur du Journal of Theological Study, comme la plus importante contribution en matière d'histoire ancienne concernant la vénération des saints que notre génération ait vue et qui ne peut être négligée par aucun étudiant en histoire du christianisme. Dans ce livre, le pasteur alsacien et professeur d'histoire ecclésiastique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, Paul Ernst Lucius, voyait dans le culte des anges comme le contre-coup de l'élaboration au fil du IIe siècle d'une théologie chrétienne qui avait éloigné Dieu des hommes. Je cite Lucius, peut-être avec quelque ampleur, pardonnez-moi, « En vain, les théologiens chrétiens offraient-ils le Logos en compensation du Dieu exilé. Cette doctrine était et resta inintelligible à la masse. Elle ne pouvait même suffire aux penseurs pour établir une conception du monde satisfaisante, pour combler l'abîme qui, dans le système chrétien aussi, s'était ouvert entre le ciel et la terre. De là, écrit Lucius, c'est un texte posthume qui avait été publié par l'un de ses disciples, Georg Heinrich, qui a été l'un des grands représentants de la Religionskirche Schule à ce moment-là, de là l'immense faveur dont jouirent les anges. Car l'accueil si empressé que rencontrèrent les anges dans le monde gréco-romain tient d'abord et surtout à ce fait que le christianisme, sous la forme où il lui était transmis, ne changea pas sensiblement le plan du monde reçu, et tout en donnant à la divinité qui le commandait un accroissement d'autorité et d'importance, ne rendait nullement superflu l'activité d'êtres intermédiaires. Les anges chrétiens prirent donc toute la place des anges païens, les démons, et se chargèrent de leur service, à savoir l'entremise entre Dieu et le monde, entre les hommes et Dieu. Il faudrait, je n'ai pas le temps ici évidemment, préciser la configuration intellectuelle dans laquelle s'inscrivent les propos de Lucius et qui remontent à de vieux schèmes de la théologie protestante, en particulier luthérienne, depuis le XVIe siècle, mais je laisse ça de côté. Lucius voyait donc dans les anges comme des précurseurs insatisfaisants des saints. Je continue ma citation. « Tels que certains théologiens les avaient façonnés, les anges n'étaient pas en état de satisfaire à la longue les besoins religieux du grand nombre. » En vertu de leur origine, ils appartenaient beaucoup trop à la sphère divine. C'étaient des figures célestes sans couleur. Ils n'avaient pas d'histoire, pas d'individualité, pas de physionomie particulière. L'un était pareil à l'autre, ils ne se distinguaient que par la nature de leur service. L'imagination était impuissante à se les représenter. Il y avait en eux trop peu d'humanité. On ne pouvait par suite prendre une vraie confiance en eux, frayer avec eux comme avec ses semblables. Sans doute cette distance aurait pu diminuer et les anges se développer en êtres intermédiaires qui eussent répondu aux exigences de la piété,
Si cependant ce développement, à l'exception de Saint-Michel, n'a pas eu lieu, c'est que le peuple chrétien a trouvé dans un autre domaine ce que l'angélologie ne pouvait lui offrir qu'imparfaitement, à savoir des êtres supérieurs, pourvus de qualités et de pouvoirs divins, mais apparentés aux hommes par essence, constitués comme eux, leurs frères, et comme tels accessibles à toutes les idées, à tous les sentiments de l'humanité, les saints. Et je signale au passage comment cette idée que ce sont les saints qui ont en quelque sorte comblé l'espace qui sépare l'homme de la divinité a pu, par exemple, être reprise sous une forme, et sans référence d'ailleurs à Lupius, par Charles Pietri dans un débat avec Peter Brown sur les fonctions des saints, un texte très travaillé que Pietri avait publié il y a 25 ans. Je voudrais m'attacher ici, sous la forme de courtes observations, qu'à la question qu'il soulève des concordances et des éléments de continuité, voire de filiation, entre dévotion chrétienne et cultes antiques, l'invocation des anges étant considérée comme l'exemple par excellence, et ici le précurseur, d'une telle dynamique structurelle. La thèse de Lupius s'appuyait d'abord sur l'affirmation sans cesse énoncée par les polémistes antichrétiens, à commencer par Cels, cité par Origène au livre 5 du Contre Cels, mais que l'on retrouve par exemple dans les propos que rapporte Macarius Magnès vers 400 au livre 4 de l'Apocrynikos, de l'identité entre les anges bibliques et les démons de la tradition païenne. Il est vrai que Philon d'Alexandrie lui-même, dans le traité sur les géants, au chapitre 6 et chapitre 16-17, énonçait cette thèse. Au VIe siècle, c'est un texte qui est peu connu, Olympiodore, un disciple alexandrin d'Ammonius et de Damasus, peut encore écrire dans un commentaire sur l'Alcibiade, dans un langage codé, adapté au temps, que, je cite, « les démons sont en fait bien connus dans la pratique commune, parate koine suneteia, même s'ils ne le sont pas sous leur propre nom. » Et c'est là la remarque intéressante, « à la place du démon d'un chacun, on parle de son ange. » La doctrine de l'ange gardien d'un individu donné était largement diffusée. Il suffit de citer une homélie de Sévère d'Antioche, l'homélie 72, que Pierre Canivet a érigée, dont il a montré toute l'importance. Une homélie qui date du 1er juin 515, qui évoque d'une phrase l'activité de gardiennage des anges à l'égard des hommes. Quels que soient les efforts de certains intellectuels chrétiens, d'Origène à Augustin, pour réfuter l'assimilation entre les anges et les démons, il n'en demeure pas moins que le parallèle était très immédiatement perceptible et que les pratiques dites magiques y contribuaient largement avec les phénomènes de syncrétisme et de théocratie qui pouvaient les caractériser. En particulier, depuis qu'à la fin de l'époque hellénistique, des non-juifs avaient commencé à utiliser pour leurs amulettes et talismans des noms divins ou angélique juif, je crois, aux études de Gideon Boak. De Franz Cumont à Raymond Shepard, on s'est attaché à l'examen du dossier appel des anges du paganisme, en Asie mineure en particulier, en essayant de préciser les continuités que l'utilisation d'un même terme, angelos, semblait suggérer entre contexte païen et contexte chrétien. Et ce d'autant plus qu'un verset célèbre de l'épître aux Colossiens, Colossiens 2, 18, fustigeait une tresqueia ton angelo, culte des anges. Tandis que Théodoré de Cyre, dans la première moitié du 5e siècle, dans un commentaire de ce passage très célèbre, expliquait qu'il visait un culte local des anges, qu'attestait encore, dit Théodoré, la construction à son époque de sanctuaires dédiés à l'archange Michel, et qu'attestait aussi, toujours selon Théodoré, le canon 35 d'un concile réuni à Laodicée de Phrygie, qui est aujourd'hui assigné au milieu, possiblement, au milieu des années 360, et qui entendait interdire, je cite, « l'abandon par les chrétiens de l'Église de Dieu au profit de Régnon, Synaxeis, en l'honneur des anges auxquels il donnait des noms ». Des recherches récentes, en particulier de Nicole Belaïch ou de Glenn Bowersock, ont montré combien il convenait de ne point christianiser indûment l'interprétation de ces anges païens, d'être sensible à la diversité des contextes régionaux ou locaux, et proposait d'y voir, je cite, « la désignation de pouvoir divin se manifestant sous diverses modalités ». Dès lors, la continuité trop rapidement postulée entre pratique chrétienne et pratique païenne
sans oublier une médiation juive considérée comme importante dans ces régions, tend à perdre de sa consistance. À 2 kilomètres à peine des sources du Clitume, ceux qui connaissent l'Ombrie parmi vous ont peut-être vu cette construction, à 2 kilomètres des sources du Clitume, pas très loin de Spolète et de Trévi, se dresse un édifice de culte chrétien en forme de temple inantis, doté de 4 colonnes, qui porte sur l'épistyle de sa façade principale l'inscription suivante « Sanctus Deus Angelorum qui facit resurrectionem »« Saint Dieu des anges qui ressuscite » tandis que les épistyles latéraux portent respectivement au nord « Sanctus Deus Prophetarum qui facit redemptionem » et au sud « Sanctus Deus Apostolorum qui facit remissionem ». Pour Giovanni Battista de Rossi, peut-être l'un des fondateurs de l'archéologie chrétienne, il s'agissait d'un monument païen auquel avait été adjointe au 5e siècle des frises chrétiennes. Si les recherches récentes, et je n'ai pas vu une publication importante, semble-t-il, dirigée par Letizia Paniermini sur ce monument, si les recherches récentes n'ont pas abouti à un consensus des savants sur l'assignation chronologique du monument, cela aussi entre le 6e et le 8e siècle, elles ont en tous les cas écarté l'hypothèse d'un remploi d'un édifice païen que la mention des anges avait sans doute favorisé dans l'historiographie. En effet, une tradition historiographique ancienne, et encore bien vivace, veut que les sanctuaires dédiés à un ange, en particulier Michel, aient souvent été érigés sur des lieux de culte païens. Ainsi, tout récemment, Giorgio Otranto, un collègue italien, dans une série très importante intitulée « Santuari d'Italia », qui vise à donner non pas une topographie chrétienne des sanctuaires italiens, mais un recensement très précis de tous les sanctuaires chrétiens d'époque antique, médiévale et début d'époque moderne. Dans l'ouvrage consacré aux Pouilles, Otranto, présentant les grandes lignes de l'histoire du sanctuaire consacré à l'archange au Monte Gargano, dans les Pouilles, fait valoir les principes d'une anthropologie religieuse issue de l'œuvre de Mircea Eliade, où les sources, les bois ou les grottes sont considérés comme des lieux nécessairement favorables pour des hiérophanies, des cratophanies ou des épiphanies. Par ailleurs, il cite 4 exemples de Michaelia, on a épigraphiquement attesté le nom Michaelion, même dans des textes, pour désigner un sanctuaire dédié à l'archange Michel. Il cite 4 exemples de Michaelia précédés par un sanctuaire dédié à une divinité païenne. Or, les conceptions d'Eliade ont été soumises, comme vous le savez, à fortes critiques, car la définition des espaces sacrés n'est pas indépendante des hommes et des cultures qui les considèrent comme tels, et en particulier d'un régime du sacré et d'une vision du divin et de ses relations aux hommes à chaque fois spécifiques. Autant dire qu'il n'existe pas d'espace sacré per se, mais seulement institutionnalisé, reconnu par des hommes. Un seul gouffre sur le coup supérieur du Yarmouk, parmi de nombreux paysages de gorge, fut identifié comme le site où collait l'eau du Styx et reçut l'hommage, plein de crainte et de tremblement, des philosophes païens Isidore et Damasus à la fin du 5e siècle. Je vous renvoie aux beaux travaux de Michel Tardieu. De même, si l'Asclépius copte pouvait célébrer l'Égypte, je cite, comme l'image du ciel, la demeure de toutes les énergies du ciel, qui sont dans le ciel, pardon, le temple du monde, il n'en demeure pas moins vrai qu'aussi contagieux que puisse être le sacré, les terres issues du don du Nil n'étaient pas toutes des terres sacrées, comme le prouvent les procinèmes, ces marques d'adoration gravées en des lieux précis pour attester un pèlerinage et perpétuer une présence. Par ailleurs, tous les exemples de substitution d'un lieu de culte païen par un sanctuaire dédié à un ou des anges ne sont pas également probants. Avec Jean Gascou, recollègue papyrologue, on rejettera comme dépourvu de toute fiabilité le témoignage de Titus d'Alexandrie, qui au Xe siècle de notre ère attribue à l'évêque Alexandre d'Alexandrie, qui est mort, le prédécesseur d'Athanase, mort en 328, qui lui attribue la transformation d'un temple de Saturne Chronos en sanctuaire de Michel. De même, avec Victor Saxer, peut-on douter de la valeur du témoignage de Jean Malalas, qui au VIe siècle est invoqué pour défendre l'hypothèse de l'installation par Constantin du Michaelion d'Anaplus sur la rive européenne du Bosphore, qui est attestée par ailleurs par l'historien Sozomène au milieu du 5e siècle, installation à l'emplacement d'un temple païen. De même, le sanctuaire de Pythia, la moderne Yalova en Bithynie,
où Malalas, toujours lui, situe un temple d'Apollon, le dossier n'est pas du tout clair. Pour Coné, l'antique colosse, les sources sont assignées au 8e siècle. On possède un récit tout à fait intéressant qui avait été traduit dans les mélanges des Guillaume François Beauvon par Frédéric Amsler. Pour Germia, en Galatie, non loin de Pessinonte, Cyril Mango a été justement intrigué par un récit du 9e siècle, un récit tardif, qui évoque des eaux guérisseuses foisonnantes de poissons et veut y déceler un antique culte qui lie à Cybèle et à Attis. Pour soutenir fermement de telles continuités, il faudrait des témoignages littéraires, épigraphiques ou archéologiques plus consistants. La découverte à la fin des années 1990 d'un mitréum splendidement décoré à Huarte, Hawara, dans l'Apamène, là même où Pierre Canivet avait fouillé un Michaelion, a pu susciter de grands espoirs. Le dernier rapport de fouille polonaise, publié il y a quelques mois à peine et qui clôt l'enquête archéologique de terrain, établit clairement que le mitréum, dont la dernière déclaration peut être assigné aux années 360-420, c'est le plus ancien, c'est le plus récent, pardon, mitréum connu, et du point de vue de l'histoire du culte de Mitra, c'est une découverte absolument exceptionnelle. Le mitréum à Huarte ne se trouve pas sous le Michaelion, mais au sud, sous l'église de Photios, qui est datée de 487 et qui est contemporaine du Michaelion, église de Photios qui elle-même a été précédée par une première église, celle d'Alexandros, datée de 421. Ce qui veut dire qu'il y a eu au moins deux phases et que ces deux phases ne se situent pas sur le mitréum. Dans l'attente de la publication définitive de la fouille, il serait probablement imprudent de vouloir conclure, mais si la chronologie respective des édifices de culte est confirmée, le Michaelion ne succède pas au mitréum, et ceci ni topographiquement ni chronologiquement. Ces tendances tentent à le montrer, le développement d'un culte à un ou des anges s'inscrit à chaque fois dans un contexte local qu'il convient d'éclairer. Dans une lettre de 1934 à l'abbé Lacaze, le philosophe catalan Eugénie d'Ors y Rovira, qui a beaucoup écrit sur les anges et qui est l'objet d'un intérêt renouvelé en particulier en Italie, notait, je cite, « Quant au problème de l'assistance angélique à la faveur d'ensembles collectifs, villes, nations, sociétés, il me paraît très complexe. Je voudrais, pour terminer, traiter brièvement de ce point. Au tournant du IIe siècle, Clément d'Alexandrie notait en passant dans ses stromates au livre 6, je cite, « Si les patronages prostatiae des anges ont été répartis entre les nations, ethnées et les cités, poleis, certains ont été vraisemblablement affectés à quelques activités de détail. » Origène, on le sait, s'est beaucoup intéressé aux anges des nations sur la base de Deutéronome 32, verset 8-9 dans la version de la Septante. Je cite, « Quand le Très-Haut divisait les nations, quand il répartissait les fils d'Adam, il fixa les limites des nations selon le nombre d'anges de Dieu, mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple Jacob, et le lot de son héritage, Israël. » Lorenzo Peron, qui en charge la publication des nouvelles homélies d'Origène découvertes par Marina Molin-Pradel dans un manuscrit de Munich, nous en avons parlé vendredi, a récemment annoncé que l'une d'entre elles, l'une de ces homélies, témoignait d'une inflexion de la doctrine d'Origène quant aux anges des nations, puisque dans ce nouveau texte, Origène situe la distribution des anges des nations seulement à la sortie d'Égypte, alors que dans le Contre-Celtes, au livre 5, il la place lors de l'épisode de la tour de Babel. Sévère d'Antioche, dans l'homélie 72, que j'évoquais précédemment, évoque, je cite, « le don pour gardien, même aux nations, aux cités, à chaque homme et surtout à ceux qui craignent le Seigneur, des anges ainsi que des officiers fidèles et des soldats qui viennent de la part du grand roi. » Le thème paraît avoir connu un moindre développement en Occident jusqu'au milieu du 7e siècle, où les Lombards de Bénévent, après avoir vaincu les Byzantins sur le Gargano, comme l'indique Paul Diacre, font de Michel leur saint par excellence. En Orient, quelques inscriptions attestent d'un lien entre ange et cité. J'en citerai cinq. À Philadelphie, dans l'Asie mineure, une inscription sur pierre porte un exorcismos pour détourner la grêle qu'Aladze du territoire du village d'Enaton. Le texte, qui est aujourd'hui perdu, est mutilé, mais il est clair qu'il invoque le dieu Sabaoth et les archanges Raphaël, Raguel, Israël et une quatrième entité angélique. Henri Grégoire, le grand épigraphiste auquel on doit beaucoup pour l'épigraphie de l'Asie mineure, y voyait, je cite, un exorcisme christianisé. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. À Milet, sur un pilier de la cavea du théâtre, à une époque où ce théâtre était probablement transformé déjà en forteresse, on voit sous des signes
qui paraissent représenter les sept planètes, sept cadres ovales contenant l'inscription « Hagié, saint, garde la cité des Milésiens et tous ses habitants ». Et sous ces textes, la formule « Archange, gardez la cité des Milésiens et tous ses habitants », dans les « Schriften von Milet » au tome 2, le numéro 943. Cet ensemble tend à être considéré comme chrétien. À Éphèse, un Atlès, Margarites, invoque Michel pour gagner une épreuve. Je cite, « Il a aussi Dieu avec lui », et le texte de cette inscription se conclut sur l'acclamation « Que vainque la tuquet de la cité », une formule absolument traditionnelle, « prend les beaux étendards du Seigneur ». Près de Perguet, en Pamphylie, une inscription déclare « Dieu des archanges protège les habitants de mon village ». Le texte demanderait à être vérifié pour la suite, mais ceci est très clair. Enfin, en Phrygie, à Akroinos, sur le territoire de la cité de Prymnesos, une inscription porte gravée, probablement le Trisagion, ou une formule analogue, suivie de l'invocation, je cite, « Eleison ten polin sou, kai russeoten aputo poneru. » Archange Michel, puisque c'est à lui que s'adresse, « aie pitié de ta cité et libère-la du mal. » Je voudrais conclure sur deux points. La première, c'est la rareté de ces textes épigraphiques qui manifestent l'invocation à des anges pour assurer la protection d'une collectivité, un village ou une cité, comme vous l'avez vu. Quand je préparais une communication sur cet argument pour un colloque récent de Nanterre, je pensais que pour les saints, on aurait un matériel beaucoup plus abondant. Et en fait, non. Le nombre d'exemples épigraphiques jusqu'au 7e siècle, mettons, attestant une invocation des saints pour la protection d'une collectivité, ville ou cité, sont très rares. Et même pour l'Asie mineure, l'enquête que mon collègue et ami Sylvain de Stéphane a menée laisse penser que dans cette région, le rapport des anges, et en particulier de Michel aux cités, est aussi bien attesté que celui des saints classique. Faut-il imputer ce résultat, comme le suggéraient déjà les développements de Ernst Lupius, à l'assimilation de Michel à un saint, comme les autres ? Hypothèse qui viendrait corroborer le sermon que j'ai cité abondamment de Sévère d'Antioche, qui est prononcé lors de la déposition des reliques des saints martyrs Procope et Phocas dans le Mycaelium. Dans tous les cas, on a peut-être là, et je voudrais conclure là-dessus, très lointainement, l'embryon d'une religion civique. Dans un colloque déjà ancien dédié à la religion civique à l'époque médiévale et moderne, Madame Atsiosif évoquait le culte de l'ange custode à Valencia, en Espagne. Le franciscain Francesc Eiximenes, en 1392, dans un texte fameux, le livre des Saint-Georges, invitait la cité de Valence à poster sur les portes de la ville une image de l'ange tenant dans sa main gauche une croix et bénissant la cité dans sa main droite. Et quelques années plus tard, en tout cas entre 1392 et 1395, la cité de Valence a évidemment mis en place un culte de l'ange custode qui se caractérisait entre autres par l'organisation de célébrations annuelles, plusieurs fois par an, où avaient lieu des processions où processionnaient des jeunes gens vêtus en anges. Je vous remercie.